Salut à tous, on se retrouve pour I'm a Cave. Je vais continuer là où je m'en étais arrêté la dernière fois. Donc je sais plus tout ce que je dois faire, on verra. Ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué. Donc je dois aller récupérer les laines suivantes, laine bleue, bleu clair et jaune. Donc on va aller voir ce que ça donne. Déjà, est-ce que oui, j'ai beaucoup de stuff. Je vais vider un peu. Vider tout ce qui est pas essentiel pour le moment. Garder un peu à manger, sans un peu laisser. Ouais, si j'ai quand même des flèches, donc on va garder l'arc. On va garder deux pommes. Alors, ça m'a l'air pas trop mal. Pense pas que j'aurai besoin par contre de ces potions directement maintenant. J'ai déjà faim. Ah oui, effectivement, je me rappelle que j'avais quelques problèmes de nourriture la dernière fois. Donc, voyons voir à part là en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours des vaches. Faudra que je m'occupe de faire un peu de récolte. Il me faudrait des graines pour boire, planter un peu de blé. Ce serait pas mal. Mais je verrai ça plus tard. Les cochons qui s'empilent. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, un petit peu de nettoyage. Ah, il faudrait que j'éclaire un peu plus cette zone, mais pour l'instant je suis encore. J'ai pas beaucoup de torches, donc je préfère les garder pour les parties un peu plus dures. J'ai arrêté de sprinter par contre. Autant économiser un petit peu la nourriture. Alors, si je me rappelle bien, j'ai encore toute une zone que j'ai pas explorée. Voilà, je vous retrouve, il y a le jeu qu'a planté. Donc j'espère que ça va pas se reproduire. Donc entre temps en fait j'avais changé de version de Minecraft vu que j'étais en mode automatique sur le dernier snapshot. Et apparemment ça posait quelques problèmes. Toujours autant de bruit d'araignée ici. Je me demande si c'était pas en fait un troll qui a été fait par le concepteur de la map, d'avoir un générateur d'araignée qui les tue quelque part juste pour avoir le bruit et faire un peu flipper les gens. Ah, peu importe. Donc on va pouvoir aller dans Fort Innis. Fire Aspect 3, pas mal. Enfin, de toute façon, voilà. Donc, je voulais dire que de toute façon, je risquais fortement de mourir à un moment ou à un autre. Donc c'est fait. Là, par contre, j'ai plus de nourriture sur moi, ça c'est embêtant.
On va casser ça par sécurité. Là, est-ce que j'ai quelque chose qui se mange? Pas vraiment. Je vais faire une petite ellipse le temps de d'aller me chercher un casse-croûte et je reviens. Une demande de creuser ici pour des loot. Est-ce que c'est encore un troll? Oui. Génial. Bon bah je vais continuer de chercher un moyen de m'alimenter vu que là j'ai pas de graines dans le coin donc pour l'instant c'est pas très pratique. Après je sais pas s'il était censé avoir toute la map après quand même quelques temps, s'il était censé pouvoir trouver des graines par exemple en utilisant une houe sur la terre. Je vais me renseigner, je vais aller vérifier parce que ça pourrait être une... Voilà, encore plein d'araignées. Ça pourrait être une raison du fait qu'il n'y ait pas du tout d'herbe. Que fait cette araignée là-bas? Je sais pas, en tout cas j'ai quand même entendu des araignées qui semblaient venir de sous terre. Bon, j'ai peut-être trompé. Enfin, je pense pas que je me suis trompé, mais c'est peut-être pas ici plutôt. Bon, je vais vérifier pour cette histoire de graines. Alors, je viens de vérifier sur le wiki, on ne peut plus récupérer de graines directement depuis les blocs de dirt, depuis la 1.6 bêta. Donc, la map est pas autant vieille que ça. Donc, c'est fait exprès qu'on trouve pas de nourriture pour l'instant. Devoir me résoudre à tuer combien de vaches ici? J'en ai 3, donc j'ai pas envie d'en tuer. Ici, je peux tuer 2 cochons. Il en restera encore 2, ce qui sera suffisant pour la reproduction le moment où je trouverai. Oh, il y a bien des araignées quelque part. Par exemple ici. Par exemple là-dessous. Ah, j'ai pas vu ce spawner. Je pense être un peu la même chose dans le couloir. Il doit y avoir un spawner que j'ai pas vu, mais qui doit être fait pour empêcher qu'on puisse creuser. Il y a quand même beaucoup de pièges et de petites difficultés du genre dans cette map. Mais bon. De toute façon, je vais m'y faire ou je vais mourir. Ou les deux. Là, j'ai que 3 steaks. Bien que j'y cuise, mais... Est-ce que les panneaux brûlent? Je sais plus. Je vais tester. Il y a les barrières que je peux faire brûler. Récupérer ces barrières ici. Non, alors ça brûle pas, ça non plus. Je sais que j'ai encore de la viande de zombie que je prends aussi avec. Ça reste une valeur sûre. Là. Par contre, je pensais un steak avec une barrière. Ah non. Un petit peu plus. Un steak et demi. Là, alors si ça suffit, que me mettre. Ça va peut-être tout juste aller. Parfait. Donc ici, voilà, j'ai de la viande de zombie, un steak cuit. Hop, j'en avais encore pas mal en fait.
J'ai pas fait gaffe. Je vais laisser un peu de viande ici. Pardon, on peut le laisser. Voilà, ça me paraît bien. Donc je vais y retourner. Je fais une ellipse dès que je suis devant la zone. Voilà. Je vous retrouve. J'ai entre-temps dû changer le pack de texture. J'avais un petit bug avec le pointeur là, qui apparaissait bizarrement. Enfin, qui apparaissait en un carré négatif à la place. Donc, pour continuer, on va pouvoir détruire ça, hein, tant qu'on y est. Enchanté. Pioche enchantée. Pas mal, efficiency 5, break 2. Ça va être mieux que ma pioche actuelle. Je vais que me vérifier. Ah, c'est bon, je suis en mode easy. Ok, donc les bruits d'araignée doivent venir de là. Alors, pas beaucoup de mobs pour l'instant. C'est bon. Un creeper là-haut. Je pense qu'il y en a qui viennent de là. Ah bah voilà. C'est juste le temps qu'ils arrivent. Il m'a semblé. Ah oui, il y a du silverfish par ici. Oula, oula, ils font mal. C'est ça, battez-vous. Vu que là il y a un bouton pour déclencher de la TNT. Est-ce que ce serait un piège? Sûrement. Je vais sûrement tomber dedans. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'entrée autrement. Ça grouille déjà de squelettes. Donc, qui vivra verra. C'est pas passé loin. Non, c'était juste l'entrée de la zone. Voilà, histoire de commencer directement. Je trouve le moyen de monter là-haut. Ils font vraiment super mal. Je suis qu'en mode facile là. Et je me prends. Essayer de monter par là.
Forcément. Bon, alors est-ce que j'ai de quoi repartir par ici? Je pourrais me faire une petite armure. Pas de table de craft. J'ai pas de bois non plus. C'est pas très malin ça. Alors, on va aller prendre un peu de bois en bas. Je vais me monter une table de craft, c'est quand même toujours pratique d'avoir ça à proximité. Salut. Bon, bah, une torche. Alors, bah, je vais justement prendre la table de craft que j'avais laissée ici, elle sert à rien. Et c'est reparti. C'est un petit peu sombre par ici. Alors, un casque. Un pantalon. Une tunique et des bottes. Voilà, au moins, je serai pas tout nu. Prendre cette épée en pierre, un arc, quelques flèches. Et un peu de chair à zombie, chair de zombie. Ah, un autre creeper qui vient me dire bonjour. J'ai pourtant fait cette tour. Il semble avoir entendu un bruit de squelette qui se cacherait à l'intérieur. Crois qu'une fois que j'aurai complété ou que j'en aurai marre de la zone actuelle, je vais réparer ce pont, je ferai un peu de réparation hors caméra, histoire de rendre un peu plus simple le passage. Mais pour l'instant, ah, j'ai pas pris de pioche. Bon. Pour l'instant, la priorité, ça va être. Pas de pioche ici, non. Ça va être de me retrouver. De retrouver mon stuff. Ah, puis il y a tout qui est en train de despawn. Je crains. Bon, ça va, il est déjà moins. Déjà. Dire que j'ai récupéré beaucoup de matériel pour l'instant.